Bonsoir, chers amis. La gauche, lorsqu'elle est aux responsabilités, lorsqu'elle est en action, ce qu'elle peut faire, c'est du concret pour les gens et c'est utile que ça continue pour eux dans cette région des Pays de la Loire. La tête de liste de l'UMP, qui était candidat aux élections municipales à Angers, n'est-ce pas Jean-Claude ? Dans cette campagne des municipales d'Angers, il avait pris un soin méticuleux à faire oublier son étiquette UMP, jusqu'au point d'exiger qu'aucun dirigeant national, tellement il avait peur qu'on parle du bilan de ce gouvernement et de cette majorité. Mais croyez-vous qu'il va pouvoir tenir à nouveau cette ligne cette fois-ci ? Non, non, bien sûr que non. Madame Bachelot a renoncé. Mais je crois que Madame Bachelot, ministre du gouvernement de Monsieur Sarkozy et de Monsieur Fillon, avait surtout peur de rendre compte du bilan de la politique de Nicolas Sarkozy. C'est ça la vraie raison. On nous dit, vous la gauche, et en particulier le Parti Socialiste, préparez-nous une élection en 2012 qui puisse permettre une espérance. On veut que les choses changent, et bien nous sommes conscients de cette responsabilité, et en nous mobilisant et en nous rassemblant dès le premier tour autour de Jacques Auxiette, c'est cette démonstration par la preuve que nous voulons faire. Alors le candidat de l'UMP, il aura beau chercher, il ne pourra pas échapper au bilan. Il ne pourra pas cacher les 16 000 postes d'enseignants supprimés dans l'éducation nationale, qui sont un vrai scandale. Il ne pourra pas faire oublier le million de chômeurs non indemnisés dont le gouvernement ne s'occupe pas pendant que le chômage continue de monter. Il ne pourra pas non plus faire oublier les scandaleux bonus qu'on continue à nouveau de distribuer aux traders qui sont la cause de la crise du système financier et qui a provoqué la crise économique et le chômage. Il ne pourra pas non plus faire oublier les scandaleux salaires indécents des dirigeants de grandes entreprises qu'on vient de voir encore ces derniers jours. Alors que les salaires n'augmentent pas, que les retraites n'augmentent pas, que des retraités sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors non, ça ne peut pas continuer et l'UMP ne pourra pas échapper à sa responsabilité. Faire oublier la suppression de la taxe professionnelle, les transferts de responsabilité aux collectivités locales sans que l'argent suive. C'est le contribuable local et les ménages qui va payer. Eh bien, l'UMP ne pourra pas faire oublier cette responsabilité. Nous ne sommes pas une région sarkozyste, quoi qu'il espère. Non, parce que nous sommes attachés à des valeurs humanistes, des valeurs de solidarité, des valeurs du respect de l'autre, du refus, du rejet de l'autre. Nous sommes attachés à des valeurs de justice sociale, du travail en commun. Et ce n'est pas un hasard si dans cette région, peut-être encore plus que dans d'autres, on n'a pas voulu participer à cet indigne débat sur l'identité nationale, qui est la honte du président de la République. Le rassemblement que tu as conduit pendant 6 ans, Jacques, et qui a permis cet extraordinaire bilan de ton action. Je suis heureux de constater que toutes les forces politiques qui y ont contribué sont rassemblées. Toutes les forces qui composent ta majorité actuelle ont décidé, parce qu'elles ont le sens des responsabilités et du devoir vis-à-vis des électeurs, qu'elles n'ont pas voulu privilégier le calcul politicien ou d'abord penser à elles. Elles ont dit, nous avons travaillé ensemble, nous avons fait bouger les lignes, nous avons redonné de l'espoir dans cette région. Tous ceux qui veulent que ça change, qui veulent plus d'espoir dans notre pays, veulent l'unité, le rassemblement, qui est la gage de la confiance et de la réussite. Quand nous agissons localement ou au plan régional, nous portons un projet qui déjà est en avance.
Nous, nous voulons porter une politique nouvelle, cohérente, qui n'oublie personne, qui agit dans l'urgence, qui agit pour la solidarité, pour ceux qui souffrent le plus, mais qui en même temps prépare l'avenir. Et c'est cette politique que Jacques Auxiette, avec son équipe, pendant 6 ans, a conduit, qui permet cet extraordinaire bilan, et ce bilan est en lui-même la promesse de la réussite de son projet. Oui, c'est ça que nous faisons. Mobilisons-nous, ne prenons aucun risque, allons partout, allons chercher, allons discuter, allons convaincre pour que cette nouvelle étape, nous puissions la franchir ensemble, non pas pour nous, mais pour être utiles aux habitants de la région du Pays de la Loire. C'est notre seule mission, avec nos valeurs, nos convictions, c'est notre responsabilité, nous allons le réussir ensemble.